أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله عليه وسلم، من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتل. Qui est un mois sacré, il s'avère que dans ce mois, les pires, les créatures vont assassiner les meilleurs, vont s'aimer, cela. Comme vous savez, c'est un mois de deuil. Ce n'est pas aujourd'hui un jour de foi, contrairement à ce que les moralités peuvent nous faire croire. Et même les chiites, je ne sais pas qui sont influencés, parce qu'en vérité, chez nous, le mois de la vie, c'est Rabi al-Awwal, ou bien le hadith qui dit c'est le mois de Ramadan. Ce n'est pas le premier mois, et selon quels critères, au début d'année, on devrait être en joie. De toute façon, en admettant qu'on a vu la voile, c'est normal, puisque de toute façon, nous devons passer la période de deuil, surtout après le 9, après l'attaque de la maison de Fatima Zahra, alias Salam. C'est vrai qu'après, oui, effectivement, c'est la joie, on dit c'est le mois du mariage, c'est le mois de la joie. Il y a beaucoup de naissances, et entre autres la naissance de notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, pas de parler de ce sujet, je vais continuer. Je vais finir aujourd'hui le commentaire du discours de l'imam Hussein alayhi salam, Amina. C'est la 11e partie. En réalité, avec ce que je vais lire là, il n'y a pas grand-chose à commenter. Peut-être je rajouterai quelques points, je m'arrêterai. Comme entre autres, il y a certains passages, trois passages, il me semble. Sinon, rien à dire vraiment. Il a prouvé que la plupart des relamas, donc surtout à son époque et à toutes les époques, ils sont corrompus. Donc je vais continuer. Je ne vais pas revenir au passage que j'avais lu et j'avais fait deux parties pour parler des caractéristiques du savant. Je continue ce que disait l'imam Hussein alayhi salam. N'est-ce pas parce qu'on espère que vous allez exécuter la loi divine qu'on vous accorde tous ces honneurs et tous ces pouvoirs spirituels? C'est-à-dire que les honneurs que peuvent avoir les savants, c'est dû au fait que normalement, ils sont l'exemple par lesquels ils exécutent la charia, la loi divine. Et c'est pour cela aussi que normalement, ils sont loués, même par Allah, s'ils sont vraiment des gens bien. On continue. Bien que pour la plupart des lois divines, vous n'avez fait aucune grande chose. En effet, vous avez délaissé et négligé la majorité des droits divins qui retombent sur vos épaules. Par exemple, vous avez délaissé le droit de la Oumma et vous avez anéanti le droit des personnes faibles et impuissantes. Cependant, vous êtes soulevé pour obtenir ce que vous pensez être vos droits personnels. Vous n'avez dépensé aucun argent ni mis en péril cette vie dans la voie de celui qui l'avait créé en premier lieu, ni combattu une tribu ou un groupe d'hommes pour la voie divine. C'est-à-dire, ils ne font que récolter les fruits ce qui s'était passé auparavant, pendant la mission prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport au rôle que les imams légitimes alayhi wa sallam avaient fait. Ils ne mangent, on pourrait dire, que les restes. Ils profitent de ces restes-là. Et pourtant, malgré ça, ils étaient beaucoup respectés par les gens. Alors qu'en vérité, même si vous pensez que c'est vos droits personnels, vous n'avez rien fait en vérité. L'imam dit, vous n'avez dépassé aucun argent. Finalement, je vous avais dit que dans les commentaires, là, machallah, les commentaires viennent tout seuls. Vous souhaitez en effet que le paradis et la fréquentation avec les prophètes et le soulagement des tourments divins soient votre lot. Et vous pensez que tout cela vous appartient par droit. Ô vous qui avez de telles expectatives et de telles espérances d'Allah, j'ai bien peur que les infortunes de sa colère vous frappent et descendent sur vos personnes. Le fait que vous n'appliquez pas, que vous ne faites rien, vous récoltez que les fruits, vous risquez d'avoir la colère d'Allah sur vous.
Car sous l'ombre de la majesté et de la gloire d'Allah, vous avez atteint une autre position, mais vous ne respectez point les hommes d'Allah qui font connaître Allah, quand en fait c'est grâce à Allah, exalté, que vous êtes ainsi respecté et honoré parmi ses serviteurs. Les véritables hommes d'Allah, ne les respectez pas. De même, je crains pour vous, pour le fait que vous voyez clairement avec vos propres yeux que les engagements qui avaient été jurés devant Allah, c'est-à-dire les contrats sociaux qui avaient servi à construire et à bâtir la structure de la société islamique, ont été foulés sous les pieds et négligés complètement. Cependant, vous ne ressentez aucune inquiétude, tandis que vous vous inquiétez et vous agitez pour certains des engagements de vos ancêtres. Donc, ils ont acquis rang et dignité, ils ne sont pas acquittés de leurs devoirs. Ils ne sont aucune inquiétude pour leur engagement, pour l'islam. Alors que, en vérité, s'il leur arriverait quelque chose à leur père, ou bien si quelqu'un lui manquerait de respect, alors ce serait beaucoup de cris. Et pourtant, ils violent le pacte divin. Ils diffament l'islam et vous ne dites rien, c'est-à-dire les ennemis d'Allah. Et en vérité, vous n'éprouvez aucune tristesse à cela, aucune tristesse sincère. Si vraiment vous étiez vraiment affligé, si vous ne feriez pas semblant d'être affligé à ça, on entendrait votre voix s'élever. Et maintenant, les engagements qui avaient été jurés devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les engagements, le fait de respecter et de suivre le prophète et de suivre l'imam Ali, alayhi salam, lors de leur adirhum, ont été négligés grandement. Les aveugles, les sourds-muets et les personnes infirmes et impuissantes sont restés dans toutes les villes sans aucun responsable, et personne ne leur fait pitié. Vous ne travaillez point selon votre position et votre rang, ni faites-vous attention à ceux qui font ce genre de choses, qui s'efforcent de vous créer une position et un rang, ni les aider proprement. C'est-à-dire que ils ne font rien du tout. Ils n'utilisent pas leur rang pour faire quelque chose. Ils n'aident même pas ceux qui remplissent leurs devoirs. Là, normalement, j'ai terminé ce que j'avais à commenter. Je continue le discours, bien sûr. Si j'ai quelque chose à dire, je le rajouterai. Mais là, comme j'avais prévu, je n'ai rien à rajouter parce que l'imam Hussein alayhi salam a été suffisamment, et bien sûr, c'est tout à fait normal, éloquent. Je continue. Devant le pouvoir des souverains tyranniques et despotes, vous êtes assuré la sécurité. En ayant recours à la flatterie et à l'hypocrisie, en vous entendant avec les oppresseurs et les tyrans, tandis que vous devez interdire ce qui est défendu et vous empêcher les uns les autres à commettre tout ce qui est mal. Car Allah a commandé ainsi, vous avez grandement négligé ses commandements. Ils se sont rapprochés des oppresseurs et des tyrans pour avoir une petite vie tranquille, on peut dire. Ils ont négligé le fait d'interdire le d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable. C'est l'inverse dans la formule coranique, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Je continue. Votre malheur est pire que le malheur des autres gens, car on vous a pris votre position et votre rang de haute érudition. En vérité, toutes les affaires bureaucratiques d'un gouvernement et tous les verdicts des tribunaux, la ratio des programmes du gouvernement doit être exécutée par l'union des savants religieux, qui sont en fait les honnêtes dépositeurs des droits divins, qui savent distinguer entre l'illicite et l'illicite. Donc là, dans ce discours, il est très bien que les Moussa alayhi salam appellent même les savants à appliquer et être dans le gouvernement. Chose qui est sujet à discussion, comme chacun le sait, car il est dit aussi que normalement, tout ça, ça serait le ressort de l'imam Zaman, en période d'apparition d'Uhur et l'imam Hassan du Raja, que normalement, il devrait avoir et occuper ces fonctions-là. Sinon, il est dit que normalement, il y a beaucoup de savants qui disent qu'ils doivent délaisser cette responsabilité. Mais là, on voit, à travers le discours de l'imam Hussein alayhi salam, que c'est autre chose. Mais on s'est emparé de vos positions et on les a volées. Et le fait que vous ayez perdu une telle position n'a aucune raison, excepté pour ce que vous êtes éloigné de l'axe de la vérité et de la justice. Et vous vous êtes dispersé, ensuite vous avez provoqué un conflit et eu une divergence au sujet de la tradition, même s'il existe des arguments clairs qui prouvent sa vérité.
Là, bien sûr, oui, quelqu'un peut me répondre parce que vu que je vous ai parlé du fait qu'il devrait occuper une position, bien sûr, on pourrait me répondre que c'était à la période de l'Imhotep, à Issa-là. Donc c'est vrai que là, il n'y avait pas cette discussion. Mais actuellement, il y a cette discussion. Est-ce qu'on doit appliquer éventuellement ce qu'a dit par exemple l'Imhotep, à Issa-là, là, à Mina, ou bien les Rolama, là, devraient uniquement s'occuper des affaires de privées, le mariage, le divorce, les affaires personnelles, donc les obligations individuelles et donc les ribadat qu'il y a comme les risalat et les muamalat, les transactions des gens, sans s'occuper des affaires du gouvernement. Ça, c'est une conversation et une divergence. Je continue. Si vous étiez des hommes qui étiez patients et endurants devant les tortures et les souffrances, si vous étiez prêts à supporter toute difficulté dans la voie d'Allah, les lois et les régulations seraient venues à vous pour être approuvées. Tout cela aurait été ratifié par vous et vous seriez aujourd'hui des autorités incontestables dans l'exécution de ces affaires. C'est-à-dire, si vous auriez patienté, vous auriez fait votre devoir, là vous auriez gouverné. Mais hélas, vous avez donné du répit aux oppresseurs injustes pour qu'ils puissent saisir et usurper ces positions que vous occupiez. Vous avez laissé s'approprier de ce gouvernement qui, selon la loi, se voyait obligé de respecter et de prendre en considération la loi. Ainsi, ils se mirent à gouverner selon leurs pensées, de sorte qu'ils purent devenir des despotes fiers, et vaniteux qui ne pensaient qu'à assouvir leurs passions effrénées. C'est-à-dire que là, normalement, ça devait revenir à vous, ce pouvoir-là, puisque c'est un pays musulman, donc normalement, vous deviez gouverner. Vous auriez dû gouverner. Et le fait que vous avez laissé cela, puisqu'il est dit que quand il y a un trou, Shaitan il s'installe, le fait que vous avez laissé ce répit aux oppresseurs injustes, il y a maintenant des injustes qui gouvernent. Je continue. Ce qui les aida à vous dominer, c'était votre fuite effrénée pour ne pas être tué, c'est-à-dire la peur de la mort. Et aussi votre amour et votre dépendance pour cette vie qui s'enfuit, propre de tenir à l'amour de la dunya, qui est dit d'après les hadiths, qui est la source de tout péché, de tout danger. Avec une telle mentalité, vous avez emprisonné tous les hommes faibles et impuissants dans les poignées de ces tyrans oppresseurs. Ainsi, certains devinrent comme des esclaves soumis et avilis, tandis que certains d'autres cherchaient éperdument à trouver de quoi manger. Et pendant ce temps, les souverains égoïstes étaient immergés dans le marécage de leur souveraineté et provoquaient toutes sortes de scandales honteux et méprisables à cause de leurs caprices, en se soumettant aux malveillants, en se montrant arrogants et insolents devant le Seigneur omnipotent. C'est-à-dire le fait que vous avez laissé toutes ces responsabilités, vous avez créé des gens qui étaient comme des esclaves soumis à vie. Et des pauvres qui cherchent uniquement leurs pensées quotidiennes et ils cherchent à savoir ce qu'ils vont manger chaque jour. Et pendant ce temps-là, ces souverains étaient immondes, étaient occupés par tous les péchés et les choses les plus scandaleuses. Dans chaque ville, il y eut un orateur qui montait sur la chaire qui appartenait à ces hommes-là. La poussière de leur nation est maintenant dispersée sous leurs pieds, et leurs mains commettent tout ce qu'ils désirent. Les gens sont devenus leurs esclaves et ils ne peuvent se défendre. Un gouverneur dictateur et despote, autoritaire et malveillant, leur veut du mal, tandis qu'un autre gouverneur réprime et tourmente les misérables et se montre sévère et arrogant envers eux. Et un autre les domine, de telle sorte qu'il n'en connaît même pas Allah ou l'arrivée du jour de la rétribution. Donc là, l'imam Hussein alayhi salam nous explique la situation qui est arrivée à cause de cela. Donc il y a des orateurs qui appartiennent à ces gens-là, qui font l'éloge bien sûr de ces gens-là, et les gens sont devenus leurs esclaves. Et en même temps, le gouverneur les opprime. Chose bien étrange, et comment ne serait-elle donc pas étrange? La société est sous la domination d'un homme fourbe et rusé qui est aussi un oppresseur. Et voilà Mouawiya, dont le fonctionnaire qui doit demander les taxes apparaît comme un homme tyrannique et oppresseur à son tour, et dont le gouverneur est malveillant et cruel envers. Allah sera juge suprême en ce qui concerne les problèmes pour lesquels nous sommes redressés pour déclarer ouvertement notre position, et il annoncera son verdict pour ce qui s'est produit entre nous. Donc là, il met une barrière, on pourrait dire un stop à ce qu'ils sont en train de faire, en demandant le jugement d'Allah. Et là, l'imam Hussein alayhi salam, il a terminé son sermon avec ces phrases. Ô Seigneur, tu es sans doute au courant de ce que nous avons fait. C'est-à-dire le combat,
qu'il a commencé contre le gouvernement Omeyyade. Ce n'était point une rivalité quelconque afin de nous approprier du pouvoir politique, ni un moyen pour amasser une fortune quelconque ou des bienfaits inutiles, mais bien au contraire, ce fut pour montrer les principes et les valeurs brillants et éclatants de ta religion, et de pouvoir les offrir aux gens et de produire des réformes dans ton pays, et de rassurer tes serviteurs opprimés, et de leur donner leurs droits légitimes, et d'accomplir les devoirs que tu as ordonnés, ainsi que ta parole, tes lois et tes commandements soient exécutés comme il convient. Donc là, l'imam Hussein, alayhi salam, il est en train de dire, et bon, on le sait, on connaît son combat légitime, il est en train de faire un doigt, se dissuader totalement de ces gens-là en disant « Moi, je ne me suis pas soulevé, je ne lutte pas contre Muawiyah, l'arnatullah alayh, pour pouvoir chercher le pouvoir de ce monde. C'est uniquement pour la face d'Allah azawajal qu'il le fait. Par conséquent, ô vous, groupe de ulama religieux, si vous ne venez pas à notre aide, et si vous ne prêtez pas votre choix à le nôtre, afin que nous puissions reprendre nos droits, les despotes et les oppresseurs ont un plus grand pouvoir sur vous. Ils seront encore plus actifs pour éteindre la flamme brillante de la mission prophétique. » Donc là, il est en train de dire, si vous ne suivez pas, ça, la situation est déjà très très critique, elle va devenir encore pire. Allah unique nous suffit et nous prenons refuge avec lui, et nous appuyons à lui, et nous tournons vers lui, et notre destin est entre ses mains, et notre retour est certes vers lui. Et après cela, là c'est la fin du discours de l'imam Hussein, alayhi salam, il ordonna que tout le monde et recommanda que ses propos fussent diffusés à travers le monde islamique, parmi les gens. Comme ça, tous les musulmans soient mis au courant de ce qui se passe et de les coups destructeurs de l'islam que l'islam avait reçus durement. Et aussi des événements qui attendent les musulmans dans leur proche avenir et qui menaçaient la structure et les piliers de l'islam. J'en ai terminé avec ce sujet. Et même j'ai fini la... Nous sommes aujourd'hui dans la 11e partie, j'ai terminé le discours de l'imam Hussein alayhi salam. Car voilà, la prochaine vidéo, Inch'Allah, sera des directives de Muawiyah qu'il a données pour détruire l'islam. C'est d'après le kitab Sama Qais al-Hilali. Comme aujourd'hui, et comme pendant 50 jours, puisque 1 ou 10, nous sommes en deuil, mais le martyr de l'imam Hussein arrive. Je me dois de traiter, non pas de faire un hasard, mais quand même de parler de quelque chose qui soit lié avec cela. En vérité, je vais prendre le livre Manifestation de la Zirat HaShoura qui est ici. C'est un livre qui parle de l'importance de réciter Zirat HaShoura. Au départ, il cite le long hadith de nos imams qui parle de comment réciter le Zirat et l'importance de cela. Il y a hadith normalement de l'imam Sadiq alayhi salam, de l'imam Baqir alayhi salam. Mais, et après cela, il cite l'auteur de ce livre, cite 45 récits pour l'importance de réciter le Zirat HaShoura. Je vous en récite un, et à chaque fois, à la fin de chaque discours pendant cette période, je réciterai un récit comme cela. C'est des récits qui sont contemporains. Beaucoup de récits, certains datent du 19e siècle ou bien début 20e siècle, ou certains d'une époque récente. Et c'est des miracles que les gens ont eus en récitant le Zirat HaShoura. Je commence, c'est le 21e récit. Monsieur Hajabib, homme vertueux que je rencontrais à Naïn. Naïn, c'est en Iran. Homme de prière et d'invocation et détenteur d'un bon état spirituel, racontait. Cela fait 40 ans que je récite régulièrement la Zirat HaShoura, et j'en ai constaté les effets et les bienfaits. J'avais une fois un problème pour lequel aucune de mes prières et de mes invocations, à quelque degré que ce soit, n'avait eu d'effet. Je pris la décision de réciter la Zirat HaShoura pendant 40 jours. Pendant la journée, j'allais dans un endroit désert, hors de la ville, et je me mettais à réciter la Zirat HaShoura. Le 39e jour, je vis soudain un homme lumineux et d'une majesté stupéfiante apparaître devant moi et dit « Pourquoi es-tu contrarié? Ton problème est déjà réglé à présent. » Je retournais chez moi, ma mère me dit « Quelqu'un est venu vous chercher et a dit de le contacter absolument. » Quand j'ai pu contacter la personne, elle me dit « Nous allons régler votre problème ainsi que vous le désirez. » Et il en fut ainsi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali 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 Muhammad w